Yo les gars, sur Kalama, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Une vidéo Squad Builder. Oui, ça faisait longtemps que je faisais plus Squad Builder. Là, j'ai une nouvelle équipe, tu vois ce que je veux dire. Une hybride tellement énorme, les gars. Donc voilà, je voulais vous la proposer. En plus de vos messages, tu vois, je pense que sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont aussi là pour ça, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai quand même fait 1000 vues. 2000 vues en tout sur mes vidéos Squad Builder, donc un cas sur une autre et puis un cas sur une autre, donc voilà. Et ça fait plaisir les gars, donc voilà, merci. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça. Petite parenthèse les gars, je vais faire un snap abonné, voilà, comme ça par exemple je vais dire quand je fais une vidéo, quand je suis en train de faire un montage et tout. Donc dites-moi si vous avez Snapchat, je vais faire un Snapchat et je vais vous ajouter. Mon nom, de toute façon ça sera au calamar quelque chose. Donc dites-moi si vous avez Snap, mettez dans les commentaires, ça ferait plaisir. Donc voilà, on va commencer le Squad Builder en 4-3-2-1. Donc au gardien, on va commencer avec un gardien argent les gars. Le gardien c'est Pelé, donc ouais, c'est pas le buteur, mais voilà. Non, donc un très grand gardien, c'est pour ça que je l'ai mis, 1m96. Donc le gardien il est très grand, franchement il est complet, tu vois, au niveau des stats, 70 de partout, tu vois. Vitesse normale, c'est un gardien acheté pour 500 crédits, c'était le moins cher. Sinon les autres, après si vous trouvez moins cher, tant mieux. Moi je trouvais 500 crédits, les autres c'était à 1200 et tout. Donc voilà, franchement c'est un très bon gardien. Je vous le conseille fortement ce gardien. Trop là, on a Mathieu les gars. Donc le français qui joue à Barcelone, franchement c'est un très très bon défenseur. Il est assez, assez physique, il a un peu de vitesse, 76 de vitesse. Donc voilà, tu vois, c'est parfait. 84 de défense, c'est parfait, tu vois. 82 de physique, 76 de vitesse. T'as ça, tu vois, c'est. Tant que t'as le physique et la vitesse, tu vois, et t'es un défenseur, c'est parfait. Acheté pour 1500 crédits. Donc voilà, il est vraiment très très chaud. Le deuxième défense central, c'est Koulibaly. Ouais, bon, j'ai un carton rouge, c'est pas grave. Bon, lui, c'est un monstre, tu vois. Lui c'est un monstre. C'est un monstre des monstres. C'est 87 de physique, 8 ans de défense, 74 de vitesse, mais. Est-ce qu'il est fort? Franchement, testez-le. En plus, c'est le up. Je l'ai eu dans un pack il y a longtemps. Quand ils avaient donné des packs. Franchement, il est trop chaud. C'est un truc de fou. Il est trop chaud, trop chaud. Donc voilà. Là, on va passer au défenseur gauche. Défenseur gauche très Molinas, les gars. Donc voilà, qui est blessé, qui ne pourra pas aller à l'Euro. Franchement, à sa place, j'aurais eu le seum. Donc voilà. Pour un défenseur gauche, c'est parfait, tu vois. 8 en 5 de vitesse. C'est tout ce qu'il faut, tu vois. En plus, il est complet. C'est un cas de physique. Il est assez petit. Mais tu vois, il est rapide et c'est vraiment tout ce qu'il faut. Il est vraiment trop chaud pour un défenseur gauche. Donc voilà, acheté pour mes 500 crédits. Franchement, je vous le conseille. Là, on va passer au défenseur droite. Défenseur droite, Isa, il joue à Naples. Donc ça fait un lien vert avec Koulibaly. C'est pour ça que je l'ai mis surtout. Mais pas surtout pour ça, parce qu'il est rapide. Et puis c'est un peu un tribulinas, mais défenseur droite, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ses stats, elle parle de lui, tu vois. Il est trop chaud. En même 8 ans 2, tu vois, le gars. 8 ans 2 de vitesse, 7 ans 5 de physique. Tu passes pas, frère, c'est muraille. Donc voilà, acheté pour 800 crédits, les gars. Franchement, il est chaud. Là, on va passer au 3 MC. On va passer au premier MC, les gars. MC N'Golo Kanté. Bon, petit N'Golo. Bon, ta tête, tu vois, franchement, on dirait un petit poisson-chat. Mais sinon, tranquille. T'es aussi fort que ton gros crâne. Voilà. Non, mais acheté pour 1500 crédits, franchement, il n'y a pas à dire plus, tu vois. Tu connais N'Golo Kanté, il est petit, ok. Mais qu'est-ce qu'il est chaud, mon frère. Ouf. Hey, il m'a sauvé un but, il était sur la ligne. Je sais pas comment il a fait pour sauter, tu vois. C'était N'Golo Kanté à 1069 et je suis plus grand que lui. Imagine-toi ça. Je suis plus grand que lui, poteau. Donc voilà, franchement, ses stats, elle parle lui-même. Si vous avez le tot, je sais plus comment général il a. Mettez-le, il n'y a pas de souci pour ça. Vous allez avoir une équipe encore plus cheatée. Donc voilà, il a des stats de porc. Et là il a les stats vraiment, tu vois, basique, parfait, il est complet, tu vois. Donc voilà, deuxième MC les gars, c'est Touré. Et ouais, il y a Touré, c'est la base. C'est la base, acheté pour 12750 crédits, 1m89. Franchement voilà, c'est Yaya Touré, hein, qu'est-ce que je te dise. C'est la base des MC, tu vois, si tu fais une hybride, voilà. C'est la base des bases. Donc il est grave chaud. J'ai marqué 0 but avec, mais j'ai fait qu'une partie dans mon club avec lui. Donc voilà, franchement il est trop fort. Vous savez qui c'est, Yaya Touré. Là on va passer à Fernandinho, acheté pour 1300 crédits. Il est aussi chaud que Yaya Touré. En plus il joue dans le même club, ça fait un lien vert. 1m76, 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. Dans mon club il a marqué 2 buts, 5 matchs. Franchement ça passe. Donc voilà, par contre, qu'est-ce qu'il est fort. Il a une putain de frappe, c'est un truc de fou. 74 de tir,
sur le terrain, les gars, ça se ressemble pas du tout. Qu'est-ce qu'il est fort? Ouais, vous mettez des long shots avec lui, c'est une dinguerie, franchement. Testez-le, il est trop trop chaud. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses, tu vois. On va passer au AVG, les gars. AVG, des pailles, mon pote. Et ouais, bon, c'est la base des AG, AVG. Tu vois, tant que t'as la vitesse, les 4 étoiles, tu vois, t'es pris même par le gars qui a 1 million de crédits, tu vois ce que je veux dire? Voilà, 92 de vitesse, 75 de physique, 4 étoiles mauvais pied. Non, 4 étoiles de technique, pardon. Donc, 5 matchs joués, 3 buts, 2 200 crédits. Voilà, il n'y a pas besoin de parler beaucoup, hein. Il est trop chaud, c'est un truc de fou. Avec lui, tu rentres dans la surface, tu tires, il y a goal. Tu vois? Là, on va passer à AVD, les gars. AVD Willian, bon, avec sa touffe, on dirait un pétard. 3 000 crédits, 4 étoiles, 1 m 75. Voilà, c'est Willian, tu vois ce que je te dis. Donc, il est trop chaud, tu vois. Lui aussi, il est chaud comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, testez-le, les gars, de votre équipe. Dans cette équipe, surtout. Là, on va passer au BU, les gars. BU, Rémi. Bon, lui aussi, c'est un deuxième pétard. 92 de vitesse. Tu veux quoi de plus? 4 étoiles de technique, 92 de vitesse. Cherche pas plus loin, frère, tu vois. C'est la base. 8 ans de tir, 92 de vitesse. Tu vois, tu peux pas trouver plus rapide, tu vois. Bon, Aubameyang, normal, c'est le boss. J'ai fait 5 matchs, 4 buts. Il est présent. Il est présent, le petit Rémi. C'est pour ça que cette équipe, elle pète des culs, les gars. Franchement, elle est grave chaude. Si vous jouez bien, franchement, vous pouvez faire des ravages avec cette équipe. Donc voilà. 1 m 85 en plus, il est grand, tu vois. Il a 90 de vitesse. Tu vois, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà. Donc si je vous montre l'équipe, les gars, voici l'équipe. L'équipe, franchement, 81 notes, 100% de collectif. Elle est trop chaude. Le plus cher, c'est Yaya Touré, les gars. 12 750 crédits. Le plus cher, donc voilà. Si vous avez, par exemple, des pailles MOM. Orange, mettez-le. Si vous avez Kanté Todd, mettez-le. Si vous avez Yaya Touré Orange, mettez-le. Enfin bref, voilà. Si vous avez des autres couleurs à part que les or normal, n'hésitez pas à les mettre. Ça va faire des ravages. Franchement, cette équipe elle est trop chaude. Franchement, je l'ai fait genre en même pas 20 minutes avec un pote à moi. Au passage, grosse dédicace. De toute façon, il va se reconnaître. Donc voilà, grosse équipe. Je la conseille énormément. Donc voilà. C'était Okalama, les gars. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, peace. Qu'un doigt pour mes haters. Jalouse, elle me dit wesh. Est-ce qu'on s'appelle après 9h? J'attends quand même depuis hier. Tu sais, j'ai mes envies, moi aussi. Tu penses arriver pour quelle heure?